Ma soeur, bienvenue. Merci, mon frère. Ma soeur Diana Camara, c'est notre soeur Diana Camara de Sosota. Yes. De l'abbé Seigne. De vrai l'abbé Seigne, de Sosé Lambassi. Donc, yes. Elle réside au Canada, vous la voyez sur ma page chaque fois. Donc, elle va dire quelques mots ici, aussi simple que ça. Donc, on se donne rendez-vous le mardi. Mais le lieu de rencontre, on va communiquer ça demain. Je vais communiquer lieu de rencontre demain. Lieu de rencontre demain. Voilà, parce que les communautés de renseignement qui sont au Sénégal, vous êtes drôles. C'est vous qui cherchez renseignement sur nous là. Vous marchez moi dans ma main. Aux communautés de renseignement qui sont au Sénégal, moi vous marchez dans ma main. Vous marchez dans ma main. Quand je vois les gens parler, je ne parle même pas. Ma soeur, vous avez la parole. Ok, mon frère. Alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykoum. Marsali annabima, je salue tous tes auditeurs et auditrices, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Moi, j'aimerais intervenir sur deux sujets, si ça ne vous dérange pas. Allez-y, vous avez le temps. Le premier sujet va être le premier ministre Baouri. Et le deuxième sujet va être sur Ousmane Gawal, la femme de Ousmane Gawal, la réunion, la rencontre qu'elle a eue hier avec les femmes Soussou en basse-côte. Je vais intervenir sur ces deux sujets-là. Qu'est-ce que je vais dire à propos de Baouri? J'ai vu la rencontre avec la rencontre de Baouri avec les leaders politiques ou bien les représentants des leaders des partis politiques. J'étais déçue. J'étais choquée. Pourquoi? C'est un malhonnête, le vieux. Tout le monde sait que Baouri est un malhonnête. Bien sûr. Baouri est un traître. Ouais. Baouri est un manipulateur. C'est un escroc. Bien sûr. Tout le monde le sait. Les dialogues politiques qui ont eu en Guinée, Baouri a participé à tous ces dialogues politiques. Bien sûr. Baouri a accompagné même les délégations qui sont partis au Ghana pour rencontrer les chefs de la CEDEAO pour leur chronogramme, pour leur politique comment je vais dire ça, à leur sujet. Du CNRD ou bien? Mais, pardon, du CNRD, oui. Le dialogue politique que CNRD a organisé là, avec la dame Makale Traoré, avec Aïcha Ba et autres là, Lansana Kouyaté, tous les dialogues politiques qu'ils ont organisés en Guinée là, pendant le règne de CNRD, depuis 2021. Et Baouri s'est déplacé, il est parti jusqu'au Ghana pour défendre le rapport, le contenu de ces dialogues politiques. Mais qu'est-ce qui est sorti là-bas? Nul, rien, zéro, nada. Pourquoi? Parce que leur dialogue politique n'était pas fiable, c'était pas concret. Il n'y avait rien de concret dedans. C'était pas crédible. On ne peut pas chasser les leaders principaux du pays et puis ramasser les petits partis politiques comme ça, dire que vous avez organisé un dialogue politique national. Ça n'a pas fonctionné. Et Baouri faisait partie de ces groupes-là. Et aujourd'hui, c'est Baouri qui est premier ministre, comme il aime le dire, chef du gouvernement, parce qu'il se voit aujourd'hui là comme un demi-dieu. Il se voit aujourd'hui comme celui qui dirige même la Guinée, comme celui qui a la main libre ou bien qui peut réunir tout le monde, alors qu'il est zéro. Baouri ne peut rien faire pour la Guinée. Il n'est pas crédible même en Guinée. Au sein de son parti même, il n'est pas crédible. Baouri a fait changement de parti combien de fois?
Combien de partis? Il est à son troisième ou quatrième parti comme ça. Bon, Est-ce que vous comprenez? avant de venir aujourd'hui, ce n'est pas pour vous couper de ma soeur. C'est Oui. Raouri qui était le président, c'est-à-dire c'est lui qu'on avait délégué en 2009. C'est-à-dire la Pendant manifestation. le règne de Dadis aussi, oui. Oui, en 2009, la manifestation du 28 septembre. C'est Baouri qui était l'organisateur principal. C'est-à-dire Baouri a été à la tête de ça pour organiser ça. Si aujourd'hui le procès, ce procès-là est en train de se dérouler, un Baouri ne devait pas passer comme témoin, plutôt il devait passer comme, c'est-à-dire comme quelqu'un qui en sait quelque chose. Parce qu'on parle de mort d'homme et mort d'homme de plus de centaines de Guinéens. Jusqu'à aujourd'hui, Ouais. les fosses communes dont on nous parle, on ne sait pas. On ne sait même pas où les corps là sont partis. Donc ce Baouri Ouais. qui était à la tête de cette voilà, organisation face à Moussa D'une Dadis, autre transition voilà, qui était à la tête d'une autre transition. voilà, aujourd'hui, C'est ce même Baoul qui est aujourd'hui encore à la tête de cette transition aussi. la Guinée, c'est chacun son intérêt, le pays là. C'est Ah, chacun ce son pays-là intérêt, est le pays. gâté. Ce pays-là est C'est foutu. chacun son intérêt, le pays-là. Donc, Ouais. si on comprend bien, si on comprend bien, si Baouri avait eu un poste au temps du CNDD, il n'allait pas participer. Non? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, comme il sait que il n'a plus de poids politique, parce qu'à l'époque, il était à l'UFDG, et qu'aujourd'hui, il n'a pas de poids politique, il faut qu'il soit du autre camp, c'est-à-dire le camp contre les autres leaders politiques, Les leaders politiques, pour qu'il exactement. ait de force. C'est pour ça. C'est-à-dire, il vient, il s'introduit pour qu'il ait une bonne retraite. Désolé, je vous ai coupé la parole, ma soeur. Et ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'il voulait, il l'a eu. Parce que lui aussi, il voulait. Baouri n'avait rien maintenant. Il voulait un peu d'argent. Après, quand on C'est parle, un il comprend. traître, je vous dis, c'est un escroc. Comme à la primature, là-bas, il y a un fonds de souveraineté de 87 milliards ou 97 milliards de francs guinéens. Lui aussi, il dit que c'est une occasion pour lui de profiter. Mais moyennant quoi? Moyennant sa dignité, sa crédibilité, son honneur. Baouri n'a pas d'honneur, il n'a pas de dignité. Sinon, Baouri n'allait pas s'asseoir devant les gens, manipuler les Guinéens. Manipuler les Guinéens. Mais ma soeur, je vais vous dire un truc ici, hein, que le peuple du Guinée, vous comprenez ça. Ce poste-là, Billahi Wallahi Tallahi, le poste de Premier ministre là, le CNRD, ils n'avaient pas quelqu'un ou quelqu'un qu'ils allaient mettre là-bas. Ils n'avaient Non. pas. Ils étaient en manque de trouver une personne. Ouais. Baouri a juste sauté sur l'occasion. Il a juste sauté sur l'occasion. C'est-à-dire, c'est lui qui a été son propre démarcheur là-bas. Et puis, on est Ouais. parti glisser des noms, ces noms, des noms, des noms. Après lui, on a fait son atalakou. Mais en faisant son atalakou, on lui a dit, tu vas être à notre solde. C'est pourquoi il a prêté serment d'allégeance à Jordan. Ouais. Il a fait serment d'allégeance à Jordan, pas pour le pays. Il a dit dans son serment, je serai au Ouais. service du président du CNRD et Mamadi Doumbouya. je jure la loyauté de ne jamais Ouais. trahir la confiance du président du CNRD. Ouais. Tu es venu Du pour le président? CNRD et du peuple. Du CNRD ou du peuple? C'est par après, Ouais. vers la fin, il a ajouté le peuple de Guinée. Exactement. Voilà. Donc, c'est ce Baouri-là aujourd'hui qui veut se mettre devant l'opinion nationale et internationale comme quoi c'est lui l'homme qu'il faut, comme quoi c'est lui qui peut manipuler les Non, gens, il comme faut tu viens de dire partager, là. mettez les cœurs, c'est pas bloqué, Mamadi vas-y, est mettez un bloqué. peureux, tout le monde le sait. J'avais dit ici là, sur la page de notre grand frère Malik Camara, Sosomangue, j'avais dit. J'ai dit, Mamadi est un peureux. Mamadi n'a pas le culot de sortir lui-même décréter que le gouvernement est dissous.
Il passe par des personnes interposées comme le vaurien Amara et puis Bis Bangoura, là, les vauriens réunis en Guinée pour faire passer le décret. Et deux jours après, trois jours après, il sort comme quoi il était là, que c'est lui qui a... Ça, c'est quelle peur. C'est quand on a dit aussi... Moi, je veux que... Pourquoi il est sorti, c'est quand on a dit... Parce que ça s'est sorti en murmurant que Amara a fait coup d'État contre lui. C'est à cause de ça qu'il est sorti. Sinon, il n'allait pas sortir. C'est ce que j'ai dit. Il n'allait même pas sortir. Voilà, c'est ce que j'ai dit ici. C'est ce que j'ai dit ici tout à l'heure, là. J'ai dit, oui, tout ce qui se passe, c'est lui qui le fait. Mais comme il sait que il peut pas lui sortir le dire et que le peuple va réagir, il passe par des personnes, comme vous l'avez dit là, pour que eux, ils viennent le dire. C'est ça qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Tout ce qui se passe, c'est lui, Jordan. Tout ce qui se passe. C'est Mamadi. Quand les gens disent que, les gens, que son entourage l'a pris en otage, non, c'est Mamadi. Ce que Baoul est en train de faire, c'est Mamadi. C'est Mamadi qui a donné l'ordre. Bon, donc, l'entourage l'a pris en otage parce que ce n'est pas lui seul qui prend les décisions. Ça, je vous parce donne. Qu'il a rien dans la tête. Je vous donne ça. En exclusivité. Quand Jordan décide, en décidant, il faut que Amara valide, il faut que Djiba valide. Si cela ne valide pas, ça ne passe pas. C'est ça. Un président. Ça. Donc, Baouri est aujourd'hui premier ministre. Mm-hmm. Baouri sort sur RFI pour dire que les élections n'auront pas lieu cette année. Parce que tout va dépendre de ce qui va se passer sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il n'y a rien qui se passe. Mamadi a fait un an plein en Guinée sans parler de chronogramme. Mamadi a demandé 36 mois, on l'a accordé 24 mois. Les 24 mois, il a plaidé la CEDEAO pour que la CEDEAO plaide auprès des Guinéens pour accepter les 24 mois. Les Guinéens et puis la CEDEAO ont accepté les 24 mois. C'est sorti dans la bouche, dans la gueule de Mamadi qu'il ne va pas passer une minute de plus après 31 décembre 2024. Comme il n'a pas de culot, comme il n'est pas courageux, il manque de courage, il manque d'expérience, il manque de tout, de capacité, de compétence. Il laisse sa langue dans la bouche de Baoulé, un hypocrite démagogue comme ça, pour venir balancer sur la figure des Guinéens comme quoi les élections n'auront pas lieu cette année. Baoulé, on va te descendre ici, on va te déshabiller. Nu, on va te descendre en Guinée. Parce que tu n'es qu'un escroc, un imposteur. Ça ne va pas passer. Donc, les gens, ils sont restés. Et les partis politiques, et la société civile, les syndicats, tout le monde est resté inerte sans faire même un mouvement. Sans dire même un mot pour dire à Baoul ce que tu as dit là, ce que tu as craché là, tu vas ravaler. Parce que Baoul doit ravaler ces mots-là. Mais personne n'a intervenu. Personne n'a dit quoi que ce soit. De surcroît, c'est Baoul qui est invite les partis politiques pour une rencontre, pour un dialogue. Moi, j'avais dit ici, si j'étais à la place de ces partis politiques-là, je n'allais envoyer aucun représentant parce que je connais Baoulé. Et quiconque connaît Baoulé ne doit pas répondre à l'appel de Baoulé parce que c'est un escroc, c'est un manipulateur. Il a déjà fait étaler ses opinions, ce qu'il pense, ses idées, comme quoi il n'y aura pas d'élection. Les gens vont rencontrer Baoulé. Il fallait voir comment il était. Il se voyait déjà la plus grande que le roi même. Il était dans une posture comme pas possible, avec une arrogance qui ne dit pas son nom. Et puis il crache sur les leaders politiques, sur les partis politiques qu'il n'y aura pas d'élection cette année. D'accord, ma soeur. Comme vous n'avez pas fait la rupture là-bas, là. Vous savez, les camarades, là, vous ne tenez pas beaucoup. Je ne veux pas que vous gâchiez trop l'énergie. Vous pouvez passer à... Parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais venir parce qu'à minuit, là, on va faire les tikémen, là. On va faire tikémen. Et puis, je vais venir pour clôturer, donner quelques révélations, là, tout à l'heure. OK. Donc, qu'est-ce que...
que je vais dire. Comment Baour peut faire des choses comme ça, des malversations comme ça, manipuler les gens avec les mots, et puis tout le monde reste dans la salle, personne n'a branché un mot, personne n'a réagi, aucun parti politique ne s'est fait remarquer, personne n'est sorti de la salle pour claquer la porte, dire à Baour, on n'est pas d'accord ce que tu dis là. Personne ne l'a fait. Les gens sont restés comme ça. Et après ça, les gens sont restés comme ça. Ils sont sortis de la salle. Baour a dit ce qu'il voulait. Je vais dire aux partis politiques là. Façon dont vous avez peur de Baour et puis de Mamadi là. Mamadi a plus peur de vous que vous, vous n'avez peur de lui. Baour a tellement peur de vous, mais vous ne savez pas parce que vous ne connaissez pas votre valeur, vos valeurs. Vous ne connaissez pas. Alors nous, on va être clair, ce combat-là, on va le mener jusqu'au bout. Mamadi ne fera pas une minute après 31 décembre. C'est lui qui a dit ça. C'est toi qui a dit ça, genre-là. C'est Mamadi qui l'a dit. Toi-même. Et on va te prendre par les mots. Toi-même. Ça ne va pas marcher. Toi-même. Si c'est demain ou après-demain, on va revenir pour encore casser Baouri. Mais Baouri n'est pas crédible. Il n'a aucune crédibilité aux yeux de la communauté internationale. Il ne pourra rien faire si ce n'est pas pour manipuler les Guinéens, si ce n'est pas pour manipuler les communautés, parce qu'ils veulent se servir des communautés pour faire avancer cette transition-là. C'est ça qui est la vérité.